Stéphane Rideau fut repéré en 1993 par le réalisateur André Téchiner, alors qu'il disputait un match de rugby. Il fut aussitôt retenu pour le casting des Roseaux Sauvages où il joue aux côtés de Gaël Morel et Élodie Boucher. Ce rôle lui vaudra une nomination pour le César du meilleur espoir masculin. Ce sera le début d'une longue amitié et collaboration avec Gaël Morel et Élodie Boucher. Morel les fera jouer dans Première Neige, un téléfilm pour Arte, et dans son court-métrage À rebours avant de les réunir à nouveau dans son premier long-métrage en tant que réalisateur à toute vitesse. Quelques mois plus tard, François Ozon lui confiera le rôle de David dans sitcom donnant lieu à une scène d'anthologie où il apparaît en tenue sadomasochiste. En 2000, Sébastien Lifshitz lui confie le rôle de Cédric dans Presque rien aux côtés de Jérémy El Khaïm. Ce film, qui raconte une histoire d'amour entre deux garçons, et dans lequel il apparaît brièvement nu, installera définitivement Stéphane Rideau dans le statut d'icône gay, bien qu'il soit lui-même hétérosexuel. Il déclara d'ailleurs par la suite « Mes rôles d'homo, j'en suis très fier. Je les assume mais j'ai fait le tour de la question. J'ai envie d'explorer d'autres choses. Je rejouerai un homo à condition que l'approche du personnage soit différente. » Il se fait remarquer à la télévision sur France 2 en 2011 pour son rôle de Georges Brassens. Dans le téléfilm Brassens, La mauvaise réputation.